This installation is called Follow the Leaders. It's part of my Cemen Eclipse series. I work with little sculptures that represent the businessmen or something related to the bureaucracy. This installation could be any city, any modern city. Yeah, the collaboration was a proposition from that came from Jerome, that is the curator of the exhibition. Yeah, I'm very happy to, I don't know, to be able to do something with more people, because always it's a little bit complicated. You know? I was working with a French collective that is called Bento. It was quite interesting for me because I never used the LEDs in the way that they are doing it. J'aime bien nous voir comme des explorateurs des technologies interactives. Là, notre travail sur Follow the Leader, c'est principalement un travail de mise en lumière. Ce projet-là, ici, était la bonne occasion de créer un logiciel qui permet de contrôler des lumières réelles, ici c'est des LED, comme de la matière vidéo. On mixe des technologies assez différentes, donc on a à la fois de la vidéo projection, mais on a également de la lumière, qui sont des LED, qui sont intégrés à l'intérieur de l'œuvre. On n'essaye pas vraiment de créer un rapport de contrôle aux œuvres, parce que les œuvres sont déjà là, elles sont effectivement dans un esprit plutôt contemplatif. C'est justement un travail d'expérience qui va être plus intéressant, où on va essayer de créer voilà, quelque chose où les gens ne savent pas forcément ce qu'ils font, mais il se passe quelque chose, ils vont être à la recherche aussi de ça, et ça va les amener à voir les œuvres sous un autre angle aussi. Jerome also proposed to work with Bills, the Portuguese artist, and Goin from France. Yeah, for me, it's a pleasure to work with them. I'm very happy to have some of their works in the walls of the buildings. I really like this one. Yeah, first of all, I like to use technology, but not to do magic. I would like to use it, but very simple, very minimalistic. In this sense, yeah, we were talking and we decided to do something apparently simple, but always is very complex. What is behind?